Allez, c'est parti. Ok, chacun un côté. Je pense. Oh, attends, c'est le même côté. Bonne chance. Ok. À la recherche de la tomate perdue. Début du dé sera une bonne chance. Oh shit. Non. J'ai pas prêt pour ça. J'étais allé jusqu'au troisième. Putain, moi déjà le premier, je déconne. Je vais m'arrêter au milieu du parcours. Non, tu peux pas. On pareil. Let's go. Non, j'ai sauté trop. Allez, trop tôt. On attend 2000. Putain, les gars, passé ça. Genre. Mais c'est easy, c'est easy. C'est easy. Que dalle, mon clavier. Il est pas fait pour faire des bunny up. Regarde, moi aussi, je fais des bunny up. Mais non. Ok. Allez, je t'ai dit, on peut s'arrêter. Let's go, baby. Attends, j'arrive pas à sortir du train. Okay. Ok, il faut faire quoi ici? Chacun un côté ou non? Je pense que c'est. Bah. Osef. J'allais t'es sûr! C'est pour ça que j'ai pas vu. Toujours les mêmes qu'on attend. Ah, ça me fume ça. C'est à moi de passer en plus. Oui! T'as seulement ouvert la porte. Non, je suis passé. T'es passé? Ouais. Let's go! Allez. Ouais, c'est dans les angles où c'est peut-être mieux pour. Ouais, je peux tout croquer. En fait, faut que t'arrives vraiment au passage et je te croque tout. Mais attends, moi je peux couper dans l'angle aussi. J'sais si, je suis là, c'est bon. Bah, on verra. Hein. Vas-y, dis-moi quand t'es co. 3, 2, 1, go. C'est fait. T'as pas dit quoi? Fonce. Let's go. Non, attends, je sais pas. J'étais sur le paillasson. Dis-moi où tu pop. Oui. Yes, I. Let's go! On a couillé, c'est bon! Let's go, maintenant ça va être tendu! Oh putain! Oh non, je déteste ça! Oh. Ah, j'ai raté! Mais c'est un truc comme ça, ok. Oh, je déteste! Ah! Non, c'est pas compliqué! Ouais, bon, ça va. S'il y a qu'un saut, ça va. Ah merde! S'il y en a, si y en a deux à faire, je pète un câble. Ah, y'a une porte en bas! Mais j'étais dessus, j'étais trop haut. Il y a une porte en bas de Pido. J'étais dessus, j'étais trop haut, Bofty. Attends. Ok, c'est ça, c'est ça. Descends. Nice, thanks. Ok. Oh bah ça va, c'était. Ok, ça je veux bien le faire. Attends, on peut tenir là-dessus ou pas? Nice. Mais non, it's a fucking joke. Tu dois sauter sur les murs et après tu dois refaire la même chose qu'on vient de faire là. Vas-y, j'attends. Je sais pas comment y aller. Non. Mais les gars. Putain, mec, il t'aurait pu prévenir. Bon, vas-y, saute, t'as le PV. Bon, là, qui se préparer. Tiens. Okay. T'as un checkpoint? Attends. Mais comment on monte? Je sais pas, moi je suis pas là où t'es. Ça passe ou ça passe? Yes, aïe! C'est facile, c'est facile. Combien il y a de canons dans un bateau pirate Fortnite? Qui j'en sais, moi? Ouais, c'est toi qui joue au BR, c'est à toi de savoir. Il y en a 6 ou 8, non? Ouais, moi je dirais un truc comme ça, ouais. Mais de toute façon, je vois pas où est la réponse donc. C'est bizarre. Ah, ok, c'est là. J'avais pas une réponse à 21, c'est 13. Ok, c'est 13. Il y en a beaucoup. Ok. Quel est le numéro que vous avez trouvé à l'épreuve 3? What? Il y avait un numéro même? Ah, ça se trouve, fallait réussir les trucs de saut.
À coup sûr, fallait le réussir. Non, à coup sûr, c'était un piège. Ah, ça se trouve, il y avait un numéro, c'était l'indice. Moins de chance sur 2, 9 ou 6 9. Vas-y, je vais 6. Allez, reculé. Let's go. C'est un système qui fonctionne. Pourquoi il y a un feu de camp? Attends. S'il y a un feu de camp, ça veut dire qu'on doit le poser quelque part pour détruire des choses. Non, mais en fait, vraiment, l'espace, elle est mal placée. Parce que je prends trop de temps à appuyer dessus. Parce que je me stabilise avec ma souris. Let's go. Attends, je suis trop fort. C'est les pièges. Ok, checkpoint. Le mec il m'attend pas du tout. Mais c'est que des épreuves techniques. C'est pas des épreuves techniques. Voilà, solidarité, c'est ce que je te dis. Merci pas. Putain, je me prends des pics parce que je t'attends. Dans le fleuve, y'a un indice dans le fleuve, y'a marqué. Bah non, t'as pas fait lui, noob. Attends. Mais oui, t'as pas fait lui, noob. Mais ça s'est refermé. Ah. Quoi? Ça t'a TP? Non, je suis juste tombé dans le trou. Bah, en fait, y'a plus de trou chez moi. Tu vois, le seul coin que t'as pas fait, c'était le bon. Oh non, je déteste ça! Oui, j'ai réussi! Let's go, baby! Pou, pou, pou. Ça va, y'a que 3 portes. Bienvenue à la foire aux questions. En quelle année Fortnite a-t-il été créé? 2011, 2016, 2017, 2014. 2011. Ouais, je crois aussi que c'est 2011. Parce que si on parle de Fortnite, le mode solo, ça fait il y a super longtemps. Putain! Mets une flèche pour indiquer. Qui est le créateur du jeu Fortnite? Darren Sugg, Darek Sugg, Darren Stuff, Darren Sugg. Je dirais Darren, ça c'est une. Moi je vais give up. Ce truc, j'arrive pas. Ouais, j'ai eu bon encore. Quel était le mauvais chiffre proposé à l'étape 5? Le 9. Quel mode est sorti en premier sur Fortnite? Terrain de jeu, créatif, battle royale, sauver le monde. Sauver le monde. Ah, c'est pitoyable comme question ça. Putain! Quelle a été la saison où il y a eu les pirates sur Fortnite? Saison 8. Ça paraît logique. Let's go baby. Quel est le skin le plus rare du jeu? Agent d'élite, Renegade, Recon Expert, Sonic. Je sais pas, je connais pas ces skins. Du coup, ça va être Recon Expert, je sais pas, moi je. Ça me dit rien, c'est. Au bout d'un moment, tu les as toutes faites donc. Combien de joueurs ont été présents lors de l'événement Marshmallow? Je crois que c'était beaucoup. Ouais, le problème c'est qu'il y a que des beaucoup là. 5, 7, 9 ou 10 millions? 10 millions, je crois. Le max. Allez. Nice, c'est ça. Que des trucs qu'on a jamais fait. Non, mais moi j'ai déjà vu en rediffusion, mais j'ai. Je connais pas les nombres. Quelle couleur avez-vous vu à la deuxième porte de l'épreuve avec le planeur? Bon, c'est simple, jaune, le profil est encore bloqué dessus. Elle, vraiment, la première, elle est pas. Pas de difficulté. Mais non, c'est quoi ce timing qu'il faut avoir? La verte! Yes! Vas-y, rejoins dans mon épreuve là. Ok, let's go. Tu vois, il m'a mis des tags. Ouais. Je t'ai ouvert les portes aussi, j'ai été sympa. T'as comment je suis en train de meurtre? Putain. Je vais avoir besoin de ton aide, alors dépêche. Vas-y. C'est compliqué ces trucs. Enfin, peut-être que si on fait l'inverse de ce qu'on pense. Non, rien du tout. Faut pas penser l'inverse, faut penser dans la droite. Ok, c'est comme ça. Ouais, c'est ça qui bloque. Ah, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Ah, ok. La technique, c'est au début, t'appuies un peu sur S pour ralentir. Mais en fait, je vois pas où. Let's go! Je suis en train de smurf.
LQGLFH. Eh, j'ai réussi à smurf. T'es où? Attends, mais on fait quoi là avec tous ces zombies là? Je suis encore toujours congelé, frère. Et maintenant, il y a ça. Mais je crois que j'ai même pas de checkpoint. Mais si, tu l'as pris. Si t'es tombé, tu l'as pris. Non, je suis pas fou, j'ai déchiffré ça. Comment t'es débarrassé des zombies? Je les ai tués. C'est ça, indice sauter. C'est en deux mots. Regardez le code César. Ouais, la solution se trouve ici. Trouve la vite ou deviens fou. Ouais. Moi c'est ici, ça c'est ici. C'est bizarre mais... Bah ouais parce que c'est le seul qui est pas dans la même direction que les autres. Ah oui mais je vois pas ce qu'il peut avoir. Voilà. T'as réussi? Ouais. Sauté où exactement? J'ai pas vu. Let's go! J'ai gagné. Attends, t'as sauté où exactement? Parce que là, t'as simplement sauté. Ah ouais, nice! Let's go. Tu vois, je t'avais dit. Pou. Là, on peut dire qu'on a terminé la map. Vite, hein. Putain, c'est long. Compliqué. Ah ouais, on a gagné. On est là. Represent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais en compagnie de Topido. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye. Tchuss.